Je m'appelle Arthur Franck, j'ai 21 ans, je viens de Belgique. Donc j'ai fait un bachelor en business management avant de venir à Amos. Donc c'est ma première année à Amos. Je viens d'entrer en M1 international. Du coup, j'ai fait du sport automobile. C'était circuit et rallye. En rallye, j'ai été aussi bien pilote que copilote. Sinon, mes résultats en circuit, j'ai fait 3e de l'European Bitrophy. Et sinon, en rallye, j'ai participé au championnat de France, au championnat de Belgique et au championnat d'Europe également. On a lancé dans un karting. On va dire qu'on a fait nos premiers pas ensemble sur circuit. On a fait une course ensemble. On a fait une course l'un contre l'autre. J'ai fait un rallye à ses côtés. Il a fait un rallye à mes côtés. Donc on a vraiment tout vécu ensemble. On va dire que c'est une passion familiale. Et ça nous a énormément rapprochés. Et c'est ça qui nous motive à continuer l'aspect familial. En fait. Du coup, mon prochain rallye, ce sera le rallye de titre en copilote de mon papa. On va participer avec une Porsche GT3 en catégorie GT+. C'est vraiment notre première fois dans la voiture. Donc le rallye de titre se déroule le week-end du 7 et 8 avril. Il y aura les reconnaissances pendant la semaine. Sinon, j'ai également pris ma licence sur circuit. Donc il y a possibilité que je repasse une petite pige en circuit. Donc ça pourrait être une épreuve comme les 24 heures Fun Cup qui me tiennent vraiment à cœur. Ça a été ma première course. C'est une course... vraiment avec une ambiance particulière. Puis le fait de retrouver tous les pilotes, tous les mécanos, c'est ça qui est sympathique. Donc la possibilité y est, ou bien revenir sur un rallye. Ce serait plutôt un petit rallye comme un rallye de Béthune au mois de septembre. La possibilité y est et j'aimerais bien vraiment retrouver les sensations du pilote. On termine la saison comme on l'a commencé, avec une victoire. Et ça fait énormément de bien, parce qu'on l'attendait depuis longtemps. On a eu quelques soucis au long de l'année, mais je crois qu'on a prouvé que trois petits jeunes pouvaient se battre pour la victoire tout au long de l'année et finir à une bonne place au championnat. Et j'ai passé une formidable saison.